je me fatigue déjà. Les enfants jouent avec ces trucs. Je suis Midam, je suis l'auteur de Kid Paddle et de Game Over. Mon prénom c'est Michel et mon nom c'est Ledan. Et donc je me suis dit, je vais faire la moitié de l'un avec la moitié de l'autre. Donc ça fait Midan, mais j'ai écrit Dan comme on écrit Adam. Et les gens disent Midam. Mais en fait au départ, je pensais que les gens allaient dire Midan. Moi je suis vraiment rentré par la petite porte chez Spirou. C'est le rédacteur en chef qui m'a dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse d'animer une rubrique de jeux vidéo? Mais on a une page qui est grande comme ça. On a besoin de tout ce qui est autour de la page et tout le tiers inférieur. Donc il te reste une toute petite place. Si tu veux, tu peux faire une BD, on la met en petit. Et donc je l'ai fait, par chance. Les lecteurs ont commencé à écrire en disant « c'est génial cette petite planche, j'aimerais bien la voir en grand ». Moi je ne suis pas gamer parce que être auteur de BD, c'est extrêmement chronophage. Si en plus j'avais comme passion les jeux vidéo, jamais je serais arrivé à produire. Si j'avais fait uniquement des gags sur le jeu vidéo très pointu, avec des références que seuls les gamers auraient compris, j'aurais peut-être perdu le grand public. Moi j'ai toujours aimé les monstres, j'ai toujours dessiné des monstres quand j'étais enfant. Je me suis toujours dit, si un jour je fais de la BD, je mettrai des monstres en avant, parce que c'est très chouette à dessiner, c'est très libre. Qu'ils soient trop petits, trop grands, avec une pustule de plus ou de moins, on s'en fout. En fait, vous me surestimez là. Voilà l'autre œil. On avance. Mon agence, il voit ça. C'est génial! C'est formidable! J'achète! Ah, une plus petite dent. On est très proche. Oh! Cheers to 30 years. Effectivement, 30 ans que Kid Paddle existe. Ça, je vais serrer avec mes chats, parce que j'ai 8 chats. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est extrêmement suspect. Oh. Ah, ça ne rentre plus dedans? Oh non, c'est pas vrai. Ok, d'accord. Oh là! C'est une mini console. Oh là là, c'est génial. Ça, pour le bureau, ça va être très bien. Game over. C'est raté. Et la musique n'est pas du tout énervante. Non, mais ça...